Là, tu vois, au niveau des jambes, je suis obligé de passer par plusieurs étapes. Faire une semaine de charge légère, après charge moyenne, et après charge lourde, charge de travail. Je suis obligé de procéder étape par étape. Pour pas me reblesser, pour pas mettre trop de tension sur mes genoux, et c'est le meilleur moyen pour moi de progresser de la bonne façon. C'est chiant, c'est embêtant, c'est super frustrant, mais j'ai pas le choix. Si je veux faire les choses bien, je dois bosser comme ça. Je suis en train de me préparer pour tous les sports que je vais faire dans le futur. Pour information, je ne pourrais pas faire une saison de football américain cette année pour la simple et bonne raison que j'ai pas une vie stable en termes de travail et de revenus, ce qui fait que je peux travailler n'importe quand, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, tu vois. Et je peux pas participer à tous les entraînements, c'est compliqué et je n'ai pas les articulations assez solides pour supporter une saison de football américain. Si c'est pour faire des entraînements et me blesser aux entraînements comme il s'était passé la saison précédente, c'est pas la peine. Si c'est pour trouver un taf et travailler du soir et faire aucune présence à l'entraînement, c'est pas nécessaire. Il me faut vraiment une situation stable où je me dis c'est bon, je suis tranquille, je peux vraiment faire ça à 100%, mais c'est pas le cas, malheureusement. Mais on va faire du sport quand même. On va faire des choses. J'ai des objectifs. J'ai bien envie de faire du padel, tu vois, l'espèce de tennis qui n'est pas du tennis. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire du basket en street, mais pas en club parce que c'est pas la même chose. Ou alors s'il y a un club à côté, pourquoi pas. Mais j'ai envie de faire un sport en club. J'ai vraiment envie de faire ça. Et là, on se prépare à fond pour ça. Et si jamais j'ai une situation stable, que ce soit un sponsor qui rémunère ou je sais pas, j'ai quelque chose de cool. Foutuesse, directement. Foutuesse, on va tout tuer. Mais le plus important, c'est de se préparer, c'est être prêt, c'est de faire les choses bien et surtout se faire mal parce que c'est important. Là, on est rentré, tout s'est bien passé, j'ai pu faire les jambes à charge assez légère. Ça m'a fait du bien quand même de reprendre. Il y a juste les fentes quand même, j'ai mis un peu de charge, fente statique, mais j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Là, j'ai pas mal de travail à faire, j'ai des calls clients, j'ai aussi des vidéos à produire pour mes clients en prestation montage. Je vais faire ça de la bonne façon et je suis en train de créer un petit setup derrière moi. Parce que peut-être que dans la soirée, je vais faire un podcast. Je vais faire un podcast et j'aimerais continuer les formats podcast. C'est pas un format que j'ai fait juste pour le mois d'août. C'est un format que j'aime beaucoup parce que c'est un format où j'ai vraiment le plus de retours en message privé. Ça fait pas le plus de vues, mais en message privé, j'ai le plus de retours. Donc on va le faire. Sachant que ça me motive, j'aime bien faire ça. J'aime bien me livrer et aussi transmettre. C'est important. Et demain, entraînement bras, hein, entraînement biceps, on va faire ça bien, toujours à time training dans la salle du temps.
Et ça, c'est cool. Là, vraiment, là, demain, si j'ai un moment de temps, faut vraiment que je passe ma commande, mes protéines. Même si que je tourne beaucoup sur ça en ce moment. The Electro, The Electrofuel et The Reconvery, la gamme de mes protéines avec Aerox, qui est très très bon et adapté à mes objectifs, qui est devenir hybride et polyvalent. Mais là, il me faut beaucoup de choses. Il me faut des gélules d'oméga 3, il me faut du zinc, magnésium, il me faut de l'ashwagandha en gummies vraiment s'il y a. Il me faut, j'allais dire le complexe multivitamine, parce que je prends un complexe multivitamine en gummies aussi, que j'aime bien prendre le matin. Et puis voilà, on est bon, on est bon. On va voir si on prend un brûleur, que ce soit du sel là, ou le thermopure, s'ils l'ont toujours. Et là, on va s'arracher, hein. On va faire ça de la bonne façon, c'est important. Bon, je me travaille tranquillement. Et on se rejoint demain pour la séance bras. Biceps day aujourd'hui, biceps day. On va faire ça bien, on va s'arracher parce que c'est important. Mes écouteurs, mais j'ai pris ceux-là, alors tu vois, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro, et je regrette de fou. La restitution du son, elle est super. La fonction anti-bruit, tu l'actives, tu la désactives juste en appuyant, c'est super. Mais par contre, quand tu es à la salle, les écouteurs font que de se barrer. C'est une dinguerie, elles font que de se barrer. Même si je les enfonce bien de mes oreilles, ça fait que de partir. Et du coup, c'est chiant, c'est relou. J'ai arrêté de mettre un casque à cause de ça. Privilégier les écouteurs, mais c'est encore pire, c'est encore pire, vraiment. Parce que là, c'est dans n'importe quel mouvement, ça peut partir. Le casque, c'est juste au développé couché. Les écouteurs, n'importe quel mouvement, ça part. Tu contractes un peu ton visage, c'est terminé. C'est cela là, c'est bien, c'est discret, c'est tranquille, mais c'est pas adapté pour le sport. Si vous avez une marque d'écouteurs fiable, dites-le moi dans les commentaires, parce que là, faut que j'achète des écouteurs ou un casque, c'est important. Franchement, je suis éclaté, hein. Je transpire pas comme hier. Mais ce que j'ai fait hier, plus aujourd'hui, ça me fume vraiment. Parce que j'ai fait pas mal de contenu pour les réseaux. Je vais refaire Instagram, refaire un TikTok, qui va s'appeler Dams Jordan Training, comme ma chaîne YouTube secondaire. Juste pour une chose, pour voir si au niveau des algorithmes, ça change ou pas, quand on refait un compte et on part de zéro et on est très productif. Si ça change, tant mieux. Si ça change pas, je désactiverai ces deux comptes et je reviendrai sur ma base, sur mes chaînes et mes comptes Dame Jordan officiels.
Je vais juste voir, être régulier, poster tous les jours et aussi profiter de faire de la pub aussi pour mes chaînes YouTube. Et aussi, j'ai reçu pas mal de messages en disant, Dame, fais un TikTok, tu verras, ça va péter et tout. J'ai un TikTok actuellement, ça fait depuis longtemps qu'il stagne, sachant que je suis très productif dessus. Donc on verra, peut-être que je suis shadowban, on va refaire un compte, on va être régulier, on va poster et on verra. On verra si ça monte ou pas comme ça devrait monter. Là, je voulais faire du sled, là. Tu vois le traîneau où tu pousses et tout, mais c'est mort. C'est mort, là, je suis KO. C'est mort. Là, je vais faire 2-3 contenus encore pour Insta, parce que ça fatigue pas, ça va. Contenu vertical. Et puis voilà, on va se tirer d'ici, hein. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien quand même. Bonne petite séance bras. La congestion, elle est là. Et c'est le plus important. Te raconter ce qui s'est passé durant les derniers jours de la semaine, parce qu'encore une fois je peux pas te faire des vlogs à 100%. Je suis obligé de tourner, attendre un moment de calme et de parler tranquillement face à la caméra. Je me suis fait un petit check là. J'ai pris la farine d'avoine qui est ma base, la farine avec le code d'âme sur mes protéines si je veux me soutenir, c'est important. J'ai mis un yaourt sans sucre, des framboises surgelées et un peu de cannelle pour être bien. Comme ça, j'ai un shake avec un bon goût. C'est important. Et j'ai pas de whey, malheureusement. Parce que je voulais pas mettre ma whey goût orange mangue. J'ai pas de whey simple, de whey vanille ou de whey sans goût. J'en ai commandé une goût coco sur mes protéines. Ce qui est bien, c'est que pour moi, ça se mélange avec tout. De l'impact whey, donc je pourrais faire mes petits shakes tranquille. Je sais pas pour toi c'est comment, niveau visuel, mais je kiffe m'entraîner dans la salle du temps. Je kiffe. Je peux vraiment faire de gros entraînements, être bien, être focus, donner de l'immersion. Je kiffe ça, vraiment. Là, j'ai fait une petite séance jambes légère, vraiment. La semaine pro qui va venir, là, on va vraiment augmenter les charges un peu plus, histoire de se faire mal et se détruire dans de bonnes conditions. J'ai préparé mon corps tranquillement, comme je t'ai dit, étape par étape. Mais là, on va vraiment se la mettre. Mes articulations, elles sont bien. J'ai pas eu de douleur au genou et ça c'est très très bien pour la suite, vraiment. D'ailleurs, je suis désolé, je suis obligé de faire les vlogs comme ça, dans le sens où je peux pas filmer ma journée H24 parce que tu vois, je vais à la salle, je rentre, j'ai un client qui m'appelle, projet client, on voit comment on peut faire, je réfléchis pour lui, je travaille, je prends mes sous et je suis tranquille. D'ailleurs, j'ai fait mon podcast dans la semaine aussi où j'ai parlé de mon projet 99. De pourquoi je suis aussi focus, concentré, et aussi des projets qui vont venir par la suite. Donc je t'invite à aller le voir, c'est important.
Le training dos, on est parti à M-Gym. Le training dos, il s'est bien passé. Il s'est bien passé. J'ai pas mis super lourd, mais j'ai beaucoup travaillé au ressenti. Et vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Par contre, c'est une salle où il y a beaucoup de musique. C'est hyper fort. Donc, même si je mets un micro-cravate et tout, je parle, c'est mort. La musique, elle est beaucoup trop forte dans cette salle. Et malheureusement, quand tu es dans une salle publique, il y a beaucoup de musique et c'est dur de faire des entraînements immersifs. Et de toute façon, dans n'importe quelle salle, hein, que je vais à On Air, Fitness Park, Basic Fit, il y aura beaucoup de musique, ça va être compliqué de te faire une séance, parler en même temps et tout. Voilà, ça va être dur. Par contre, je tiens à dire, c'est la première fois, enfin une des rares fois, que je fais le dos sans faire les biceps. C'est incroyable, pas d'exercice biceps, rien, que du dos, que du matraquage. Et ça m'a fait du bien de faire du rowing à la barre. Parce que j'y repense là, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, je regarde encore les rushs. Le rowing à la barre, c'est un très très bon exo. Faut juste que je pense à chaque fois d'enlever ma ceinture, parce que ça j'oublie. J'ai pas le réflexe de prendre ma ceinture pour le dos, tu vois. Mais le rowing à la barre, j'ai vraiment envie de refaire ce mouvement, de recharger dans ce mouvement, parce que il est bien et les sensations que ça te donne, c'est juste incroyable. J'ai terminé avec pec épaule, ça m'a fait du bien, mais j'ai une douleur au poignet qui est venue et qui m'empêche d'être efficace au niveau des pecs. J'ai quand même réussi à prendre les 50 en couché aux haltères, c'est bien, mais j'ai fait du développé couché à la barre juste après, mais ma douleur au poignet, elle me lançait trop, elle me lançait vraiment trop. Je pensais qu'avec des échauffements et tout, ça allait partir, mais c'est pas parti, malheureusement. Donc faut que je vois si je retrouve mes bandes pour les poignets. Ça fait très longtemps, voire des années que je les ai pas mis, si je me trompe pas. Mais faut que je vois si je peux les remettre pour les séances où je vais vraiment mettre lourd. Sachant que là, je rentre dans un arc masse, un arc où on est bien. Même si que on est en mode hybride training, j'ai quand même envie de soulever lourd. J'ai quand même envie de me garder ce petit rituel à mon corps dans le sens où on arrive en hiver, faut que je sois des grosses charges, faut que je sois massif parce que c'est important. Mais si j'ai mal, ça va pas m'aider. Ça va vraiment pas m'aider. Donc j'ai pas fait beaucoup d'exercices pec. Il me semble que j'ai juste fait développé couché barre plus banc. J'ai fait l'incliné à la barre. Très bonne sensation. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça aussi. Même travailler avec une barre de bas, je le fais jamais. Et je préconise vivement pour tous ceux qui veulent prendre des pecs de manière efficace et rapidement de pas bosser à la barre, de plus bosser aux haltères à la barre. Dans mon cas, c'est différent. J'ai des pecs, je sais comment les ressentir, que ce soit avec la barre ou avec les haltères.
Et là, je les ai bossés à la barre, sachant que à la barre, je charge pas. J'utilise des charges légères parce que je travaille vraiment à la sensation, au ressenti, tu vois? Parce que le problème, c'est que la barre, c'est un exercice où tu peux vraiment te blesser rapidement. Tu peux te blesser vite et bêtement. Tu peux te déchirer le pec, blesser à l'épaule. Et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est être efficace, être productif et m'entraîner longtemps. Donc, je charge aux haltères et je fais du ressenti à la barre. Et je trouve que cette méthode, elle est assez cool. Et après, j'ai fait les épaules. J'ai chargé un peu aux épaules quand même. J'ai fait un exo ou des militaires machines. Où j'ai mis un peu de plat. Tu pouvais mettre plus encore, ça m'a choqué, mais j'ai toujours peur de me blesser. Toujours. Parce que là, je prends l'âge, je suis pas si vieux que ça, j'ai 27 ans, mais les blessures que j'ai maintenant, c'est pas les mêmes que j'avais dans il y a 5, 6 ans en arrière, tu vois. Les blessures que j'ai maintenant, ça reste beaucoup plus longtemps et ça m'handicape sur tout ce que je fais derrière. Donc j'essaie d'être vigilant, j'essaie de avoir un mouvement, enfin d'avoir un mouvement propre. Et de progresser de la bonne manière et de pas me presser, surtout de travailler avec aucun ego. Et voilà, j'évolue à mon rythme et j'aime ça. De la semaine, j'ai fait une petite session, j'ai fait 10 sprints en extérieur. J'ai pas filmé malheureusement, mais j'ai commencé à recourir, commencer par faire des sprints et après, on va faire des tours de terrain. On va faire des 3, 4, 5, 10 km, un peu plus. Mais l'idée, c'est vraiment se mettre dans le bain, ok, relancer la machine. Tranquillement. Je sais pas si la course en endurance, je la faire maintenant ou pas, parce que pour l'instant, j'ai pas de sport que j'ai choisi ou que je me suis inscrit, tu vois, tout simplement. Donc, on va voir. On va voir comment je vais faire, mais j'ai vraiment envie de bosser en explosivité et aussi bosser en agilité. Mais avant toute chose, il faut que je reprenne les sprints parce que c'est important. C'est vraiment ma base, c'est vraiment là où je suis fort, là où je suis bon, l'explosivité. Donc, je rebosse sur ça, je bosse mon agilité, et après, on va faire de l'endurance tranquillement. J'essaie de te filmer des parties où je cuisine, je te montre ce que je mange et tout. C'est juste que là, cette semaine, j'avais très peu de temps. Beaucoup de travail, beaucoup de trucs. Et ce qui fait que filmer ce que je mange, aller à la salle, faire ci, faire ça. C'est compliqué, sachant que je tiens à faire des vlogs cinématiques. Je veux pas faire des vlogs où je porte la caméra, je bouge partout, non. Je compte faire des trucs propres, c'est important. Mais on va le faire. En tout cas, si la vidéo tu kiffes, si ce vlog tu kiffes, si vraiment le rendu, que ce soit audio, MCXMZIK, libre de droit, et aussi visuel, si ça te plaît, dis-le-moi dans les commentaires, c'est important, et mets un j'aime. Partage la vidéo à tous ceux qui ont besoin de motivation. Pour s'entraîner vers les choses bien, n'oublie pas le code DAMS sur MyProtein parce que c'est important. Et puis moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.